Hello, hello, hello Twitch. Est-ce que vous êtes là? Surtout, est-ce que je suis là? Bienvenue. C'est la rentrée. C'est le club Giallo numéro 3. Alors, bah merci d'être là. Merci. Alors, je regarde un petit peu qui c'est qu'on a. On a Raph, on a Langprod, on a Rature sans gras, on a évidemment I am you 6666, votre modérateur. Et a priori, le son est au milieu, tu me confirmes. Ça y est, je suis une sorte de Twitcher maintenant, c'est officiel, je réussis à avoir le son de ma voix au milieu. Ouais, moi aussi je pleure de joie. Le niveau de cette émission monte stream après stream, le niveau technique, c'est impressionnant, quoi. Maintenant, vous réussissez à m'entendre au milieu. Et je sais qu'il y a des gens qui écoutent au casque, donc ça tombe bien. Alors, je continue, j'ai pas vu tout le monde, je crois. Pouf pouf pouf. Salut fraise complet. Voilà, bah c'est cool que vous soyez venu ce soir parce que j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait un match de foot important ce soir. Alors je suis une brêle en foot, j'y connais rien, donc je le savais pas. Voilà, donc je pense qu'il y aura des absents pour ce numéro 3. Ouais. Je pense qu'effectivement Drucker va m'appeler avant de mourir. Donc, je vous disais, c'est la rentrée. La rentrée aussi pour Heroïna. Et avant de vous lancer, me lancer dans le petit défi de ce soir, il y a Macha Mère. Ah, s'il y a Macha Mère, alors là, formidable. Bonsoir Macha Mère. C'était ton anniversaire il n'y a pas très longtemps. J'ai vu ça dans mes Google Actualités. Voilà. Je sais plus du tout sur quoi j'étais parti. Sur la rentrée, je crois que c'était ça. Et le live de rentrée. Voilà. Eh ben, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Pour nous, ben, on a un petit programme avec Heroïna pour la rentrée. Donc d'abord, ben, pour vous tenir toujours au courant en ce qui concerne... Les vinyles de Belladonna, on les a évidemment toujours pas reçus. Donc c'est hyper long. On devait recevoir la semaine dernière le test pressing, c'est-à-dire en fait un vinyle vierge, mais avec la musique dessus pour qu'on puisse valider avant que ça parte en production, et on l'a toujours pas reçu. C'est compliqué pour tout le monde là en ce moment. On est bien désolé, nous aussi on est hyper impatients de les avoir, mais c'est compliqué. Ben, pour le copain AL236 d'ailleurs, c'était compliqué aussi, hein. Je crois qu'il y a eu presque 8 mois d'attente entre la commande et le vinyle que j'ai là. Oui. Voilà, hop, je vous le conseille. C'est non seulement un très beau vinyle, mais aussi un très bon vinyle. Voilà. Très bien. Le fait bien ça. Voilà. Mais en revanche, on a quand même un petit peu avancé, puisqu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui avaient commandé un pack spécial avec le vinyle, avec une affiche numérotée, série limitée, dédicacée. Et ça, on les a enfin reçus. Et je les ai aussi. Je vais vous faire un peu de télé-shopping là. Hein. C'est une première partie, un peu télé-shopping, histoire de se réchauffer pour la rentrée. Attendez, bougez pas. Bon, là, elle est sous verre, je pense que vous allez absolument rien voir. Mais vous pouvez me croire sur parole, sur ma parole de Pierre Belmar, elle est magnifique. Donc voilà, et ben, selon le temps que prendront les vinyles, ceux qui ont commandé l'affiche, on vous l'enverra avant ou en même temps, on verra. C'est pour vous faire patienter, on vous les enverra peut-être avant. Télé-shopping, formidable. Merci Corridor Mortal. Ouais, je les trouve cool aussi. Enfin, elles sont plus cool en vrai qu'à l'image, mais voilà. C'est les plaisirs de la webcam. Dernière chose à vous dire, je vous avais parlé la dernière fois qu'on avait fait un EP, 7 titres d'Heroïna, qui s'appelle Paura Magnetica. Voilà, qui est que instrumental pour le coup, essentiellement électronique.
qui est un hommage en fait au BO 80 italienne de Simonetti, un petit peu de Fabio Frizzi aussi, etc. Ce mélange un peu horreur italo-disco. Donc on a sorti les vieux synthés et les plugins. Donc ça devrait sortir, le disque est prêt, hein. Ça devrait sortir bientôt, sauf qu'on est bloqué par la sortie de Belladonna aussi. Donc je ne sais pas encore, je ne peux pas vous donner de date précise de la sortie de Paura Magnetica, mais ça sera au plus tard en décembre. Voilà, je m'engage devant vous ce soir sur Twitch, au plus tard en décembre. Puisque vous êtes là, au lieu de regarder le foot, je vous propose en première mondiale de regarder le teaser de ce disque pour vous faire une petite idée de ce que ça va être. C'est très court, on regarde ça ensemble et puis après on va se mettre au boulot, quoi, parce qu'on n'est pas là pour rigoler. À tout de suite. Et voilà le teaser de Paura Magnetica en première mondiale pour vous. Hein, voilà. Je vous tiendrai au courant, hein, pour la suite. On va s'attaquer tout de suite au défi de ce soir. C'est un défi, je dis défi parce que ça a été lancé sur le chat en fait lors du dernier live. Je rappelle, si jamais il y en a certaines ou certains qui n'ont, dont c'est le premier live pour le Club Giallo, le principe, c'est qu'on refait la musique de scènes en général de films de Giallo, à la mode Giallo, que ce soit 60, 70 ou 80, voilà. Et voilà, sauf que ce soir, surprise, la dernière fois dans le chat, vous m'avez proposé de travailler sur un film qui n'était pas un Giallo, mais d'essayer d'en faire une musique de Giallo. Alors, le film qui a été choisi... la dernière fois, c'est le Scream de Wes Craven. Voilà. Je pense que tout le monde le connaît. Hein. Je ne vais pas vous faire une présentation très longue du film. Donc c'est un film qui est sorti en 1996, réalisé par Wes Craven. C'est une sorte de post-slasher, slasher post-moderne, je ne sais pas comment appeler ça. En gros, le principe, c'est que les personnages connaissent les codes du slasher, des films de slasher, ils connaissent Vendredi 13, ils connaissent Halloween, et donc réagissent à des situations similaires, excusez-moi, en fonction de ça. Voilà. L'histoire, très vite fait... Je préviens, méta-slasher. Voilà, c'est ça, c'est méta, c'est le terme que je cherchais. Merci, IMU. L'histoire en quelques mots, c'est l'histoire de Sidney Prescott qui est une lycéenne. Oui, c'est une lycéenne, c'est des lycéens. Bon, ils ont tous 25 ans hein, dans le film, donc j'ai cru qu'ils étaient étudiants, mais ils sont bien lycéens. Dont la mère a été assassinée un an plus tôt. Et on est dans une petite ville américaine, typique, ensoleillée, sympathique. Et il y a une série de meurtres perpétrés par un tueur masqué qui sera surnommé Ghostface, qui va donc terroriser Sidney et sa bande de copains lycéens. Je précise aussi que si jamais vous n'avez pas vu le film, un peu tout le monde l'a vu celui-là, mais si jamais je vais spoiler, ça sera divulgachage absolu parce que j'en ai besoin pour composer la musique. Vous comprendrez pourquoi, mais je suis obligé de donner des points importants de l'intrigue. Pour finir vite fait sur Scream, la musique originale est de Marco Beltrami, qui est un compositeur maintenant très coté à Hollywood, qui a commencé avec... qui a été l'élève de Jerry Goldsmith, je crois, donc voilà, pas mal. Et dont c'est une des premières musiques de film, peut-être le premier long métrage, je suis pas certain, mais ça doit pas être loin. Et la musique de Scream, qu'est-ce que j'en pense en deux mots avant de proposer la mienne? Bon, évidemment, c'est très bien composé, hein, c'est Marco Beltrami, il n'y a rien à dire là-dessus. Ce que j'ai bien aimé dans la musique de Scream, c'est que c'est une musique
très premier degré pour le coup, contrairement au film où il y a des fois des ambiguïtés. C'est une vraie musique de film d'horreur, une musique très froide, c'est assez typique des productions des années 90, hein, que ce soit les cordes, les synthés, c'est pas mal de cordes, de synthés et des chœurs. Un son assez numérique, typique de l'époque, qui donne un effet assez froid, assez dark dans l'ensemble, et qui joue pas du tout le côté qui pourrait être presque un peu parodique dans le film, ce qui fait que ça apporte beaucoup de sérieux au film, et je trouve que ça, c'est assez efficace. Ce que j'aime moins, mais je me suis confronté au même problème, c'est que je la trouve un petit peu Mickey Mousing par moment. Alors je rappelle le Mickey Mousing pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, c'est simplement le fait que la musique suit de façon très synchrone ce qui se passe à l'image, elle illustre plus l'image qu'elle la complète. Il y a beaucoup de Mickey Mousing dans la musique de Beltrami pour Scream, mais quand j'ai voulu m'y coller, je me suis rendu compte que c'était pas si facile de faire autrement. Parce que pour vous dire la vérité, quand j'ai accepté à la base ce petit défi de faire une musique de giallo sur Scream, je me suis dit un peu connement que ça allait être facile. Voilà, je me suis dit tueur, arme blanche, Scream, slasher, giallo, on n'est pas très très loin, donc ça allait être simple, ou relativement simple. Erreur. Ça n'a pas été simple du tout, parce qu'au départ j'étais parti sur une musique un peu comme on a fait lors des deux précédents lives, pardon, c'est-à-dire un truc de un peu rock progressif avec beaucoup de basses, guitare, clavier, etc. Un peu dans l'esprit des BO des Goblins de la fin des années 70, début des années 80. Donc des choses assez progressives qui montent, qui descendent, etc. Et ça collait pas du tout. C'était la cata, c'était nul. Pour une raison principale, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le montage, on est dans les années 90, on n'est plus dans les années 70, et le montage est beaucoup trop rapide pour pouvoir coller à ce genre de musique. Le montage est assez cut, alors c'est pas du Michael Bay non plus, mais dans les scènes un peu enlevées, les plans durent pas plus de 4 secondes. Et donc, j'étais bien embêté avec ma musique progressive un peu planante, là ça collait pas du tout. Et j'ai compris aussi pourquoi Beltrami faisait beaucoup de Mickey Mousing, parce qu'il y a un peu cet effet, même dans le montage, un peu dessin animé. D'ailleurs, le Ghostface, excusez-moi, Ghostface, le tueur du film, il y a un côté Tom et Jerry, hein, il se prend des portes, il tombe, il glisse, c'est pas du tout le tueur monolithique à la Vendredi 13, ou à la Michael Myers, qui avance droit vers sa victime. Donc on a ce côté un petit peu déjà un peu dessin animé, en fait, déjà dans la mise en scène. Donc la musique, elle doit suivre un petit peu ça. Donc là-dessus, ben, vous allez voir, j'ai dû faire un peu de Mickey Mousing. Mais pour proposer quand même quelque chose de complètement différent de la partition de Beltrami, je suis allé chercher ailleurs. Alors j'ai rangé mes gobelins dans un tiroir. Et je suis allé chercher du côté de la musique des giallo, plutôt début 70. Où on est sur des musiques un peu plus lounge, avec des influences jazz, etc. On n'est plus sur des musiques de suspense, en fait, que sur des musiques de films d'horreur, à proprement parler. Et il y a des fois des contrastes, d'ailleurs, un peu importants entre le style musical et ce qu'on voit à l'écran dans ces films-là. Donc je suis parti là-dessus, sur un truc chaud, justement, à l'inverse de la musique de Beltrami, qui était assez froide, plutôt rythmée... voilà, avec ce côté jazzy. Je déteste le mot jazzy, je déteste tellement le mot jazzy que j'ai tapé dans mon truc, donc ça a dû faire un bruit désagréable. Voilà, un côté un peu jazz, ou plutôt jazz cacahuète un peu, comme on pourrait appeler ça. Le résultat, j'espère qu'il vous plaira, il est étonnant en tous les cas. C'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Je reprécise pour... Les nouveaux, que je peux pas passer la bande originale, enfin la bande son même des extraits de films que je vais vous montrer, parce que pour des raisons de droit, je vais me faire strike tout de suite sur Twitch. Et j'ai pas tellement envie. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, la façon dont j'ai procédé cette fois-ci, on a vu dans les épisodes précédents diverses façons de procéder. Là, j'ai fait une écriture thématique. J'ai choisi deux scènes, une scène avec Sidney Prescott, qui
qui est pas la première scène où elle apparaît, mais c'est la première scène où elle est seule, donc qui est un peu une scène de présentation du personnage, qui est une scène narrative, qui est pas du tout une scène de meurtre ni rien, mais enfin où il y a une tension qui s'installe quand même. Et une deuxième scène, là, un peu plus... c'est pas une scène de meurtre non plus, parce que c'est encore Sidney Prescott, mais cette fois-ci avec le tueur en face d'elle, avec Ghostface en face d'elle. Et c'est une poursuite. Mais elle ne meurt pas parce que c'est la Final Girl. Donc la Final Girl, elle meurt pas. Hein, d'où son nom. Donc, j'ai décidé, avant toute chose, de faire un thème pour Sidney et un thème pour Ghostface, et ensuite les décliner à l'intérieur de ces scènes. Donc bah, je vous propose qu'on commence par Sidney. On regarde un petit peu ce que je vous ai bricolé comme thème pour Sidney Prescott. Alors allons-y, la voici, la voilà, Sidney. La première chose que j'ai faite, c'est de réfléchir un petit peu à quoi allait me servir le thème, comment il allait la présenter. Donc Sidney, c'est une étudiante en apparence relativement normale, mais qui a évidemment vécu cette tragédie du meurtre de sa mère, hein, ce qui la rend un petit peu dark, où il y a une mélancolie dans le personnage qu'on ne trouve pas tellement chez les autres adolescents de 25 ans. Elle est dans cette petite ville, c'est Sidney l'Increvable, quoi, exactement. Donc j'ai essayé de faire une base harmonique, c'est-à-dire une suite d'accords, hein, tout simplement, voilà, au piano, essayant de donner quelque chose qui soit à la fois très serein, très ensoleillé, avec de temps en temps des touches un petit peu mélancoliques et un peu d'inquiétude. Voilà, donc je vais vous faire écouter cette petite série d'accords, c'est des accords au piano joués tout bêtement, et vous allez voir, vous me direz si vous le sentez ou pas, hein. Qu'il y a des petites variations d'ambiance là-dedans. Alors, on s'écoute la base. La voici. Vous me dites si vous entendez bien, si c'est trop fort, pas assez fort, la musique, etc. Donc le son, ça a l'air d'aller, ben, ça c'est super. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais il y a des petites variations d'ambiance, notamment dans la deuxième partie, où on part de quelque chose, basiquement, on part de quelque chose qui est majeur, ce qui, pour simplifier à l'extrême, veut dire joyeux, à quelque chose qui est mineur, qui, pour simplifier à nouveau à l'extrême, est censé être triste. Donc on a ce basculement en cours de la progression d'accords, qui, pour moi, pouvait exprimer, en tous les cas, l'état d'esprit de Sidney. On réécoute juste la deuxième partie. Là, on est sur quelque chose d'assez calme et serein, presque lounge. Le petit cocktail. Là, on a déjà une toute petite variation, et ici... Là, on finit triste. On a bien commencé, mais on finit triste. Voilà, donc ça, c'est tout simplement ma série d'accords. Et ça ne suffit pas, il nous faut notre thème. Donc pour le thème, c'est un thème qui suit un peu cette idée, hein, qui part de quelque chose d'assez enveloppant pour devenir faire quelque chose d'un peu plus dramatique sur la fin. Et pour jouer le thème, j'ai choisi d'un côté la flûte, parce que vous savez que c'est ma passion, la flûte. Et que c'est un instrument très présent dans les musiques de films des années 70. Et un autre élément, la voix. Et ça, c'est un élément dont je vais beaucoup me servir dans cette musique de suspense pour Scream. Parce qu'il y a beaucoup, c'est un truc intéressant, on en avait parlé avec VHS et Canapé, quand on avait fait l'émission Scoring avec eux, c'est vrai que dans la musique italienne des années 60-70, je parle de la musique de film, mais pas uniquement, on utilise beaucoup la voix comme instrument, quelque chose qui se fait plus beaucoup. Alors évidemment, on pense à Morricone avec Sergio Leone, etc., mais c'est pas le seul à l'avoir fait. Il y a aussi Nora Orlandi, par exemple,
qui avait un groupe vocal, Stelvio Cipriani, etc. Donc, la voix comme instrument, maintenant, c'est un truc qui se fait plus rarement dans les BO récentes. Je réfléchis, c'est souvent des chœurs un peu. Hein. Donc, c'est ou mystique ou épique hein, quand il y a des voix dans les BO modernes en général. Ou alors des chansons, mais c'est autre chose encore. À ce propos, rien à voir, ce n'est pas du giallo du tout, mais je vous conseille la BO du film Jallikattu. Oui, à mon avis, VHS et canapé, ils regardent le foot, c'est sûr. C'est sûr. La BO de Jallikattu, qui est un film indien que m'avait recommandé Mathieu du Coin du Bis, donc un excellent film, et qui a comme particularité au niveau de la BO d'être une BO, je crois, composée entièrement de voix. Alors que ce soit, enfin, pas seulement des voix, c'est aussi des percussions sur le corps, etc., mais sans instrument. Voilà, donc c'est un contre-exemple à ce que je viens de vous dire, et c'est une super BO. Voilà, je vous noterai le nom Jallikattu, si jamais ça vous intéresse. Revenons à notre thème de Sydney, ça n'a rien à voir. Donc, flûte voix pour le thème de Sydney, et voici ce que donne donc la description musicale, on va dire, du personnage de Sydney. Donc on a pareil dans le thème, bon là évidemment c'est une fausse voix, hein. Bien sûr ça serait plus joli vraiment chanté, mais dans le thème on a aussi ce glissement, on va dire de la sérénité vers la mélancolie. Ben, voilà le thème en gros, alors j'ai mis deux trois trucs en plus histoire, parce qu'on est riche ici au Club Giallo, on se refuse rien. Donc j'ai rajouté quelques petits éléments d'arrangement, pas grand chose. J'ai rajouté notamment une petite batterie ternaire au balai. Ah oui, mais voilà, on y arrive au côté jazz. C'est bien que tu m'en parles presque complet, parce que là, on n'y est pas du tout. Vous verrez, ça va se développer avec le temps, mais déjà là, justement, pour apporter ce petit côté un peu jazz suspense, dans la deuxième partie du thème, on rajoute une petite batterie au balai et on termine le thème par quelques notes de vibraphone. Voilà, presque film d'espion, le petit vibraphone de fin, hein, finalement. Et pour terminer, pareil, parce qu'on n'est pas des radins, quelques cordes, quelques violons, pour accentuer le côté un peu sirupeux et à la fois mélancolique du thème. Et voilà le thème final de Sidney Prescott, tel que je l'ai imaginé. Voilà, et dernier petit détail, la petite montée de vibraphone à la fin, elle ne se résout pas, ça veut dire qu'elle reste un petit peu en l'air pour le problème non résolu de Sydney, une façon de garder son thème ouvert, puisqu'elle va bien évoluer
pendant le film. Eh ben, on va s'attaquer, si ça vous va. Alors, est-ce que vous voyez un peu plus le côté jazzy, là? Parce qu'on me disait, ouais, non, on le voit pas, nanana. Moi, alors, c'est pas très, très marqué, hein. On est un peu sur du lounge, mais on a quand même un petit peu ce côté jazz. Oui, alors, oui, ça fait penser, effectivement, j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai, il y a un petit truc à la Badalamenti, cette espèce de jazz éthéré, un peu presque entre la limite, entre la musique d'ascenseur et le truc classe, quoi, qui est un peu inquiétant. I am you ou un bureau de détective. Ah, d'accord, voilà, c'est précis au moins. Ouais. Alors, on va s'attaquer à la scène de Sydney. Bah, je ne vais pas vous dire grand-chose sur la scène de Sydney, je vais vous la montrer. Donc il y a un petit peu de son au début, puis après il n'y en a plus du tout, puisque pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure. Si je vous donne un peu de contexte sur la scène vite fait, donc elle rentre de l'école après avoir appris qu'il y avait eu un meurtre la veille, etc., d'une autre lycéenne, je crois. Elle est au téléphone ensuite. Alors, je sais plus avec quel personnage elle est au téléphone, mais elle est au téléphone. Elle en parle. Ça l'inquiète un petit peu, forcément. Et elle allume la télévision. À la télévision, on ne parle que de ça, évidemment, du meurtre qui a eu lieu. Et lors d'un reportage, on évoque la mort de sa mère. Et là, elle fait un petit bad. Et voilà. Et voilà, en gros, ce que vous allez regarder sans le son. Je vous montre, on regarde ça ensemble tout de suite. Hop. Ouais, l'image saute peut-être un petit peu, mais ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de Twitch. Voilà, alors la photo qu'on va voir, c'est bien évidemment la photo de la mère assassinée de Sydney. Il leur montre à l'image au cas où vous n'auriez pas compris.
Et voilà la scène dont on va s'occuper. Donc ça change un petit peu des scènes qu'on fait d'habitude. Hein. Là, on est clairement pas, on n'est clairement pas sur de la scène de meurtre. Alors, hop. Donc vous savez comment je fonctionne, hein, d'habitude, quand je dois mettre en musique une scène. Ah oui, l'extrait est beaucoup plus long que la compo. La compo, c'est juste le thème, en fait. C'est simplement quand on entend, je réponds à Fraise Complet, quand le thème, c'est juste les quelques notes qui définissent Sydney. Mais après, évidemment, il faut le développer à l'intérieur d'une scène, hein. Bien sûr. Et il n'y a pas de bras coupés cette fois-ci. Eh oui. Donc, vous savez comment je fonctionne quand je veux travailler sur une scène. Et je la découpe en morceaux, en séquences. En sous-séquence, on va dire, avant de m'y attaquer. Donc j'ai une première partie, voilà, elle arrive, on est dans le truc ensoleillé, etc. Elle monte sur la terrasse. Là, on est dans une forme un peu de bien-être. Je sais pas si c'est la Californie, mais enfin voilà. Cette scène où on lui parle du tueur, au téléphone, sans doute. Et cette espèce de quiétude, de sérénité, donc. Et ça se termine sur une note un petit peu plus inquiète, ici, là, cette fermeture de porte. On voit qu'elle fait bien attention à fermer la porte et qu'elle regarde à l'extérieur. Là, on a déjà une pointe d'inquiétude. Ça va être notre première partie. Ça va être très simple ce qu'on va faire pour cette première partie. On va simplement utiliser le thème qu'on a déjà fait. Avec peu de variations, on va rajouter un vibraphone un petit peu, on va pas rentrer les instruments tous en même temps, on va rentrer d'abord le piano, ensuite le vibraphone, ensuite la flûte, ensuite la voix, et on va terminer sur une note un peu inquiétante, disons, on va terminer un peu sur quelque chose qui correspond au regard de Sydney en fait dans la scène. Donc là, pas de grosse surprise, c'est assez proche de ce que je vous ai fait écouter juste avant. On regarde ça. C'était des vacances studieuses. Oui, ça m'a demandé du boulot, hein. Franchement, je pensais que j'allais m'en sortir les doigts dans le nez, mais j'ai dû travailler un peu cette fois-ci. Donc, vous avez entendu effectivement la note de piano assez basse, là. Évidemment, créer un peu de suspense à la fin. Donc voilà, là-dessus, on est sur quelque chose proche du thème. Finalement, le regardant là avec vous, ça me rappelle un peu Virgin Suicide, en fait. La musique de R, le film de Coppola, etc. Ce côté adolescente américaine, au soleil, tout va bien. Voilà. Bon, c'était pas du tout une influence volontaire, mais en le revoyant, je me dis qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Deuxième partie donc de la scène. Ça commence ici. Donc là, on est sur quelque chose de plus quotidien, on va dire. Voilà, c'est la vie de Sydney, avec quand même un petit passage, avec quand même un petit passage. Visiblement, vous êtes d'accord sur R. Ouais, ben voilà. Ça, c'est l'effet soleil américain, piano, je pense. Donc, on est sur le quotidien de Sydney. Il y a un petit passage un peu où on a une petite inquiétude un peu plus loin. Donc là, elle descend. On est vraiment sur le quotidien quotidien. Et Beltrami, d'ailleurs, dans sa BO originale, le souligne aussi, c'est cette ouverture de porte.
Forcément, comme on sait qu'il y a un tueur, là on cache l'arrière-plan. Ça serait le moment de faire un jumpscare, évidemment. Un vrai ou un faux d'ailleurs, jumpscare. Donc il faut créer un tout petit peu de tension sur ce passage-là. Mais comme c'est Wes Craven qui sait quand même ce qu'il fait, bah, il fait pas de jumpscare à balle 2 ici. Hop, ça se ferme. Elle va jusqu'à la télévision, elle s'installe. Là, on est vraiment sûr du quotidien. Elle allume. Et là, il y a une espèce de gradation qui va se créer au fur et à mesure, puisqu'elle tombe que sur des nouvelles. Du tueur, et puis ça se termine un peu par le choc de voir le visage de sa mère évoqué à la télévision. Donc il va y avoir toute cette à nouveau toute cette évolution dans la scène, et on va la suivre avec la musique. Donc là, pour le côté jazzy, vous allez voir, vous n'allez pas être déçu. J'y suis allé. Donc, j'ai commencé ben, tout simplement par un petit basse percu batterie, un petit peu sautillant, un petit peu. En gardant toujours les accords au vibraphone. Voilà ce que ça nous donne. S'arrêter là pour le moment. Ouais, dans la BO d'origine, effectivement, il y a beaucoup, y a beaucoup de cordes un peu atonales, etc. C'est vraiment une musique de film d'horreur, la BO originale. Donc là, on change un peu d'ambiance, forcément. Pour en rajouter encore un peu des caisses à ça, on va mettre quelques petits chœurs, mais alors les chœurs un peu doo-wop, enfin, juste doux là pour le coup. Et le thème. À nouveau le thème de Sydney, mais on va dire jazzifié, piano flûte, avec ce petit passage où on a quand même un petit changement d'ambiance sur l'ouverture de porte. Voilà ce que ça donne. Hop. Et moi, je suis obligé de revenir. Pardon, je me suis planté. Voilà. S'arrêter là pour le moment. Donc là, bah pour le coup, le côté un peu Badalamenti dont on parlait tout à l'heure, je trouve qu'il est un peu présent aussi sur cette scène. Hein. On a l'impression que c'est la musique d'une adolescente en 1965 alors qu'on est en 96. Juste pour vous montrer le petit effet que j'ai fait, alors vous avez entendu, je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a eu un petit moment où la musique devenait un petit peu plus sombre sur l'ouverture de porte. J'ai décidé de ne pas être léger, j'ai décidé de l'accentuer par trois éléments, une contrebasse, un violoncelle et un waterphone. Alors un waterphone, oui, petit point culture, très important. Faut toujours avoir appris un truc à la sortie d'un de mes lives. Petit point, Astrapi, Okapi. Qu'est-ce que c'est qu'un waterphone? Un waterphone, c'est un instrument qui a été inventé dans les années 60. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, tout simplement. Un waterphone, ça ressemble à ça. Voilà. C'est ce curieux instrument dans lequel on met de l'eau, ce qui va créer en fait, des variations de fréquence. Et on peut jouer avec un archet, ce qui est, je crois, la façon la plus courante. Mais on peut aussi jouer avec, il me semble, des maillets, enfin
des choses un peu percussives. Et c'est un son que vous connaissez sûrement, que vous avez entendu dans des thrillers, dans des films policiers ou des films d'horreur des années 60. Je vais vous faire écouter un son de Waterphone pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est un coup de Waterphone. Vous sentez les espèces de variations que ça fait en fin de note, c'est l'eau qui fait cet effet-là. Donc vous pourrez crâner un peu dans les dîners en ville, si vous allez dans des dîners en ville, en disant que vous savez ce que c'est un Waterphone. Voilà, donc mon Waterphone, ma note de violoncelle, excusez-moi, et oui, c'est ça. Dans Massacre à la tronçonneuse, est-ce qu'il y a du Waterphone? C'est possible, mais après c'est tout un travail de montage de son, je suis pas certain, peut-être c'est possible. Et ça a un peu disparu hein, ce son-là, ça a été très à la mode, hyper utilisé, et puis aujourd'hui c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Donc voilà, je vous montre juste l'ouverture de la porte, accentuée par mes trois petits camarades. Voilà, paf paf paf, voici Sydney, elle arrive. Voilà, alors tout seul, c'est évidemment complètement ridicule. Mais dans l'ensemble, on est plus de l'ordre du détail. Et ben, pour terminer ma scène, elle va se terminer donc là. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour la fin de ma séquence, pardon, pas de ma scène. Donc on a une progression ici où on sent que Sydney stresse de plus en plus, avec comme point d'acmé la photo de sa mère. Et elle éteint la télévision. Voilà. Et ben là, tout simplement, j'ai fait une descente. Ça ne fait que descendre à partir de ce moment-là. Toute la musique ne fait que descendre. Retour de mes amis, le violoncelle, la contrebasse et le waterphone. Et reprise du thème de Sydney au départ. Rechanter, là ça sera avec la voix, mais avec une rythmique différente derrière au piano et une harmonie légèrement altérée, ce qui fait que ça va nous donner un truc un peu plus inquiétant. Je vous fais écouter comment le thème arrive à la fin sur le visage de la mère. Je me suis trompé. Hop. Voili, voilou. La voix apporte vraiment ce côté un peu fantomatique. Et comment est-ce qu'on en arrive là? On va se regarder la fin de séquence, ensemble. On va commencer avec l'entrée de la flûte. Vous savez que j'aime la flûte. Je vous ai déjà dit que j'aimais la flûte, oui. Alors voilà. Tout ce qui vient maintenant, j'ai décidé de le laisser jusqu'à la toute fin, où je réinterviens un peu, dans le silence. Pourquoi? Parce que c'est bien, ça fait partie aussi de la musique de film, c'est des fois qu'il n'y ait pas de musique, hein, tout simplement. Ça a toujours un effet quand la musique s'arrête. Et vu qu'on est un peu inquiet, qu'on pense au tueur, etc., le fait que la musique s'arrête, on peut penser qu'il va surgir tout d'un coup. Et je me suis contenté à la fin, à la toute fin, de reprendre à nouveau une dernière fois le thème de Sydney. Là, comme ça, on est certain que le thème est bien assimilé par les spectateurs et qu'à chaque fois qu'ils entendront ces quelques notes, ils penseront à Sydney.
sur quelque chose de beaucoup plus mélancolique. J'ai volontairement mis une reverb, c'est-à-dire assez importante pour donner un côté plus lointain, puisqu'on est dans le souvenir. Voilà, je vous montre juste ces quelques notes de fin pour venir conclure en fait la séquence. Et quelques petites notes de vibraphone aussi pour faire la transition. Voilà notre fin de séquence. Donc vous avez vu, on est quand même sur quelque chose, je ne sais pas si vous avez en tête la musique d'origine, on est quand même sur quelque chose de assez différent. Et vous verrez pour la scène d'après, c'est encore plus différent. Dites-moi si vous pensez que ça marche. On va se la regarder une dernière fois en entier, cette petite scène de Sydney. Hop, je vous remets le tout au début. Hop, je vais m'enlever ma vilaine tête, comme ça vous aurez un peu plus d'image. Et on y va, on se regarde la séquence et la façon dont elle est construite. Oui, c'est très bien mis en scène. C'est aussi pour ça que c'est plus facile de faire de la bonne musique sur de la bonne mise en scène. Voilà, alors, oui, ce faux silence,
Effectivement. Alors, je lis un peu ce que vous me racontez. Ça me rappelle drôlement l'album California de Mr. Bungle. Bah oui, c'est vrai qu'il y a. Plus, on sait que Mike Patton est très fan de musique, de score italien. Et dans l'album California, il y a évidemment ce côté californien, mais il y a pas mal de références un peu à ce type de musique-là, c'est vrai. Ça la rend flippante, la mer, oui. Mais parce que la photo de la mer est basiquement flippante, en fait, quoi. C'est-à-dire que cette espèce de sourire figé, là, c'est hyper inquiétant, quoi. Merci Raph et merci Langprod. Je vois, il y a un travail sur l'explication de la géographie des lieux qui est dantesque. Ouais, dans ce film, pas seulement dans ce film, mais dans ce film particulièrement, je trouve que Wes Craven arrive très bien à gérer l'espace. On comprend toujours où on est. Toujours évident. Excusez-moi, j'ai une coupure de son parce que j'ai eu un problème avec mon logiciel. Je reviens vers vous. Hop. Voilà, ça a l'air de marcher. Oui, ça en devient touchant, effectivement. Voilà, donc on a vu Sydney, on a vu son thème, on a vu comment on pouvait l'utiliser dans une scène. On va s'attaquer maintenant au petit père Ghostface, donc le tueur de Scream. On va lui trouver son thème. J'accroche pas sur le passage avec Gale Weathers. Oui, il est peut-être un poil too much, ce passage-là, c'est possible. Salut The Buzz. Ah bah c'est cool que t'aies pu venir nous rejoindre. Bienvenue. On avait travaillé un peu sur Sidney Prescott et on s'apprêtait à travailler sur Ghostface. Et lui trouver un petit thème. Voilà, dans un style giallo début 70. Non, c'est pas parce que c'est la mi-temps, je vois qu'il y a des gens qui sont... je vois que ma chamère fait du mauvais esprit, mais je sais que The Buzz revient du boulot. Voilà, c'est quelqu'un de courageux. Voilà, il regardait pas le foot, contrairement à d'autres que je ne citerai pas. Voilà, et ben on va s'y coller tout de suite à notre ami Ghostface. Donc, voilà. Voilà Ghostface. Donc, plusieurs idées pour Ghostface. La première chose, c'est que plutôt de lui faire un thème, j'ai essayé de lui faire un gimmick. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gimmick ? C'est basiquement un thème, mais très court. Donc, c'est vraiment juste quelques notes, comme une espèce d'indicatif, en fait. Comme pour une publicité, au fond. À la base, ça vient du jazz, mais ça s'utilise dans toutes les musiques. On a ça pop dans la pop, etc. Voilà. Un petit gimmick de quelques notes. Qui, dès qu'on les entendra, on saura que Ghostface n'est pas loin ou qu'il y a une référence à Ghostface. Alors ces notes-là, c'est très simple, c'est juste ça. Ouais, c'est pas très compliqué, hein, je vous le refais. Voilà, ça c'est son gimmick. Le gimmick de Ghostface. Ensuite... Et c'est là où je vais divulgacher, vous m'excuserez hein, si vous n'avez pas vu Scream. Ghostface, ce n'est pas un tueur, mais deux tueurs. C'est Billy et... Je ne me souviens plus du prénom du deuxième, Stuart. Voilà, c'est Billy et Stuart qui changent à tour de rôle le masque pour incarner le tueur. Donc je me suis dit, dans le thème de Ghostface, il faut qu'on puisse faire passer cette idée-là, qui sont deux. Voilà, de façon inconsciente pour le public. Donc, d'un côté, on va avoir Billy, de l'autre côté, on va avoir Stuart. Donc, par exemple, Billy, on va le faire au piano, Billy, on a décidé. Donc, c'est pas un thème, hein, c'est vraiment juste un motif. Billy, on va le faire en ternaire, c'est-à-dire en trois temps. Et à l'inverse,
Stuart, on va le faire en binaire, en quatre temps, et on va les mélanger tous les deux, ce qui va créer une espèce de léger déséquilibre. Oui, mais alors, je ne vais pas rentrer dans les débats sur les fans hardcore de Scream. Billy, il est beau et ténébreux, hein, avec des fêlures et tout, c'est pour ça que je lui ai choisi le piano. Hein. Et l'autre est un petit peu plus léger, donc je lui ai pris le clavecin. Un peu plus, voilà. Donc, on écoute le motif en Turner de Billy, le voilà. Voilà. Puis on passe à Stuart et son petit clavecin de rigolo. Alors il n'y a pas un thème très rigolo non plus, hein. On est quand même sur du mineur. Cette fois-ci en quatre temps. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà, et notre rythmique avec les deux ensemble, ça donne ça, notre rythmique à la Ghostface. Voilà, donc on sent bien un peu ce déséquilibre, mais en même temps, ça fonctionne. Le piano, on dirait Peur sur la ville. Oui, bah, y a un petit côté morriconien, ouais, clairement. Hein, il faut ramener de l'Italie dans toute cette Americana. Voilà, alors, il y a notre thème, il y a ça. Pour le thème, j'ai choisi la voix. Alors bon, vous m'excuserez, hein, c'est encore que des voix synthétiques. L'idée, c'était d'avoir le thème chanté presque comme si c'était un cri, hein, pour reprendre... l'idée de Scream, hein, évidemment. Donc ça serait plus intéressant interprété par une chanteuse. Là, bon, voilà, c'est, j'ai fait ce qui s'en rapprochait le plus. Donc notre petit gimmick, chanter, voilà ce que ça donne. Termine assez haut, presque comme si c'était un cri quand même. Ensuite, j'ai eu envie de jouer avec des sons de groupes vocaux qui viennent un peu de temps en temps, presque à la limite du bruitage, comme on trouve souvent, hein, sur les BO italiennes. Donc il y a quelques interventions. Ah, on a ça. Ou justement, presque des cris. Voilà. Et puis un petit élément rappelant l'enfance, puisque finalement le problème c'est pas l'enfance puisque c'est des adolescents, mais c'est quand même un rapport avec les parents, la mère de Sydney, le père de Billy, etc. Donc un petit élément de cœur qui rappelle un peu l'enfance, un classique, hein, quand on veut créer un peu d'angoisse, le voilà. Voilà, et on a nos éléments principaux. Ouais, chanter, ça marche bien. C'est aussi pour ça que j'ai utilisé ce gimmick. Il est très très simple, hein. Y a rien, c'est à peine une mélodie, mais ça permet en fait de monter d'une octave à la voix, qui fait qu'on a cet effet un peu de cri. Donc allons-y, on va mélanger nos éléments, piano, clavecin, voix, et ça nous donne déjà une bonne ébauche du thème de Ghostface. Hop là. Non. Je ne veux pas faire ça. Et on s'écoute ça. Ça.
la première partie, elle a un côté porno soft. Bah, c'est ce côté, ce que j'appelle jazz cacahuète. Là, évidemment, on est dans autre chose. Hein, mais bon, c'est le thème de Ghostface. Donc, voilà. Mais, quelque part, on va le jazz cacaïtifier. Je sais pas. Voilà, je viens d'inventer cette expression. Donc, ça pourrait suffire. Hein. On a notre base, là. On a tout ce qui va faire toutes les déclinaisons qu'on utilisera pour Ghostface. Mais, comme vous savez, j'aime bien faire des petites orchestrations. Donc on va rapporter un petit côté, un peu de chaleur à ce thème qui est forcément relativement froid, hein, ce qui est normal, avec basse, batterie, violoncelle, quelques cuivres, pour ramener ce côté musique de suspense dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'on va essayer d'instiller partout, quoi. Voilà, on a ça. Et puis, si vous vous souvenez de ce qu'on avait fait la dernière fois sur Torso de Sergio Martino, je vous avais dit que c'est toujours intéressant de mélanger de ce qu'on appelle les sonorités chaudes avec des sonorités froides. Donc là, on est clairement sur la rythmique, sur quelque chose d'un peu chaud. Eh bien, on va le refroidir un peu avec des éléments plus gothiques. On ressort un petit coup de waterphone à la fin, on se fait plaisir. Une cloche et un orgue, évidemment. Une petite cloche au début. Notre petit orgue, l'église évidemment. Voilà, et un petit waterphone à la fin. C'est le même hein, d'ailleurs que... C'est le même waterphone que pour la scène de ciné. Donc l'orgue d'église. Alors l'orgue d'église, c'est intéressant parce que... Alors moi, je crois que j'en ai utilisé dans tous les lives. Mais il y en a beaucoup, en fait, dans les musiques des années 70, dans les BO des années 70. Mais il y a une raison à ça, en dehors du goût qu'on peut avoir pour ce son. Et puis en plus, on est chez les Italiens. Hein, la religion catholique, ça travaille derrière, etc. Donc la sonorité a de l'importance. Mais il y a une raison marrante. Donc, deuxième petit point strapi de la soirée, hein, vous êtes gâtés. C'est qu'en 1970, Morricone, il y a Bacalov, Armando Trovajoli aussi, Piero Piccioni, et il me semble que Bruno Nicolai faisait partie aussi de la bande, ont créé un studio à Rome qui s'appelait le studio Orthophonique, qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs, je crois, mais qui a changé de nom. Et qui avait comme spécificité, en dehors d'être un super studio où ils ont enregistré un paquet de chefs-d'œuvre, toute cette petite bande-là, de se trouver sous une basilique. Alors j'ai noté le nom, je vais faire ce que je peux avec mon accent italien, si quelqu'un a une vague origine italienne, je sais qu'il y en a quelques-uns, vous ne m'en tiendrez pas rigueur, c'est la basilique Sacro Cuore Immacolato di Maria. Voilà. Et ce studio qui se trouve en dessous de cette basilique a un système qui lui permet d'enregistrer directement en fait, l'orgue de la basilique. C'est un truc assez génial. Et ça a été donc beaucoup utilisé. Et si je ne dis pas de bêtises, toutes les parties d'orgue dans Profondo Rosso des Gobelins ont été enregistrées sur l'orgue de cette basilique. Voilà, je ne suis pas certain de cette info, mais il me semble bien que c'est ça. Et d'ailleurs, c'est un son, le son de cet orgue, on l'a un peu en tête quand on a écouté beaucoup de musique de cette période-là. Voilà, fin de l'anecdote, fin de la strapie. On s'écoute le thème. Ça, dans les dîners mondains, si vous sortez le studio orthophonique de Ennio Morricone dans les années 70, madame. Écoutons-nous le thème de Ghostface avant de voir comment on pourra l'utiliser dans une scène. Hop, c'est parti pour le thème de Ghostface. Thank you.
Voilà le thème de Ghostface. Donc, bon, qui est déjà assez complet, mais qu'on va évidemment décliner pour la scène qui le concerne. J'en profite pendant que ça charge pour faire une petite pause d'une seconde pour vous parler d'un truc. Ça a coupé. Non, je suis revenu. Tout va bien. Pour les prochains épisodes en fait du Club Giallo. Excusez-moi, j'ai mon retour qui saute un peu, donc ça me perturbe. Il y a plusieurs possibilités. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire. Tout va bien. Bon, bah, très bien. Alors, j'ai pensé à des choses. Il y a des choses que j'aurais aimé faire, mais qu'on peut pas faire sur Twitch. J'aurais aimé faire de l'écoute de la musique de BO, etc. Mais voilà, toujours pour cette éternelle question de droit, on peut pas faire ça. C'est bien dommage. Mais en tous les cas, j'ai quelques trucs à vous proposer. Et je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez. Donc, bon, évidemment, on peut retravailler sur un giallo. Ça, c'est toujours une possibilité. Moi, j'aimerais bien aussi travailler sur un autre film italien de genre, mais dans un genre différent. Je sais pas quoi encore, un poliziotesco ou un post-apo, ou je sais pas. Voilà. On pourrait aussi, c'est un peu long, et j'ai besoin de savoir si ça vous intéresse, parce que c'est un petit peu moins dynamique, même si je fais pas des lives extrêmement dynamiques, mais composer ensemble avec le chat un morceau sur une petite séquence, une séquence assez courte, mais on partirait vraiment de rien. Pour le coup, je préparerais rien et en discutant avec vous, on essaierait de créer le morceau. Et il y a une autre possibilité aussi d'un épisode que j'aimerais bien faire. C'est un épisode troll, c'est-à-dire un épisode du Giallo Club où on prend quelques scènes célèbres du cinéma. Et on met dessus une musique qui ne colle pas du tout. Voilà, ça m'amuserait assez de faire ça, de saboter quelques scènes du cinéma. Donc pour ça, ben, il y aura un petit sondage. Je ne sais pas si on peut le mettre dans le IMU, si on peut mettre le petit sondage dans le chat. Juste, voilà, hop. Donc vous pouvez, moi vous avez juste à cliquer dessus, vous votez, j'aurai le résultat, je le mettrai aussi sur Twitter et compagnie, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis pour savoir ce qui vous plairait. Après moi les quatre options, c'est sans doute des options que je ferai de toute manière, mais c'est un peu voilà pour me donner une direction pour le prochain épisode. Fait motivé, je pense que c'est par l'épisode troll tel que je le connais. Après, je sais pas, il faut que je réfléchisse au film, etc. Mais voir comment on peut massacrer une scène par sa musique, c'est une façon d'apprendre aussi, hein. Ce qu'il faut pas faire. Ok, eh bien les amis, c'est la dernière ligne droite. On va faire notre grande scène. Les fans de post-apo. Un post-apo, c'est marrant à faire, hein, c'est sûr. Après, je sais pas si c'est hyper intéressant au niveau de ce que je peux vous apprendre sur la musique de film en faisant du post-apo, mais on pourrait rigoler par contre. Voilà, bah répondez donc dans le sondage et puis je verrai vos réponses. Merci IMU. Alors voici notre scène finale, enfin qui n'est pas la scène finale du film, mais qui sera la scène finale de ce stream. Non, on peut pas troller un post-apo, langue prod, c'est impossible. Le post-apo, c'est intollable, je pense. Et on va s'attaquer donc à notre scène finale où on a trois personnages, du moins assez rapidement un disparaît. On a même quatre personnages si on veut être, si on veut être absolument rigoureux. On a donc Sydney,
Billy, son petit ami, qui, comme je vous l'ai dit, est en vérité un des deux tueurs. L'autre tueur et une victime, à la fin, qu'on verra, qui a été tuée lors d'une scène précédente. Donc, je vous montre la scène à nouveau silencieuse. J'ai gardé au début, parce que j'aimais bien... Alors malheureusement, on entend un peu la musique, c'est le coup, pas très très joli, hein, mais enfin voilà, on entend un peu la musique d'origine dedans. J'ai pris une version italienne pour les dialogues, ça m'inspirait plus pour pouvoir trouver le rythme, donc vous allez voir un doublage italien, il y a trois répliques. Et on va regarder cette scène et on va voir comment on la travaille avec les deux thèmes qu'on a. Donc, Zou, c'est parti. Non, Zou, c'est pas parti. Zou, c'est parti. Allons-y. Insomma, cosa devo fare per provarti che non sono un assassino? Mio Dio. Oh mio Dio! Sì, me li attento! Me dites pas que c'est pas Tex Avery, ça. La façon dont il se prend la porte, là. Et voilà notre scène finale. Hop. Oui, le tueur a carrément une dimension comique. Bah, j'en parlais en fait au tout départ parce que je reprochais un peu bêtement, parce que quand je me suis collé moi-même à la musique, j'ai senti ce problème que Beltrami faisait beaucoup de Mickey Mousing. Valait vraiment beaucoup sur les coups de couteau, les machins et trucs. Et en fait, c'est aussi le montage de Wes Craven qui nécessite ça, en fait. Quoi. On a besoin de ce truc-là pour que ça fonctionne. Tout à fait. Le masque est marrant dans un sens. Oui, c'est vrai aussi. Alors, on s'y plonge direct. Pareil, on découpe par séquence. On va faire une première séquence jusqu'à ce que la poursuite commence, donc après la mort de Billy, qui est une fausse mort, hein, si vous avez suivi, il fait semblant de mourir. Donc on va jouer avec ça. Là, pour le coup, vous voulez du Mickey Mousing, on va vous en donner, parce que c'est une mort mise en scène. On va accentuer ce côté fake par la musique en y allant franco. Mais on commence d'abord par cette discussion donc, entre Billy et Sidney, par le thème de Sidney, le thème qui est lié aussi à sa mère, etc., parce que là, ils vivent un moment traumatisant, jusqu'à l'apparition du tueur, et puis quelques notes du thème de Sidney au moment de la mort de Billy, juste les trois ou quatre premières notes, comme si elle revivait le traumatisme, finalement, de la mort de sa mère. Tout ça avec un son assez réverbéré dans le loin, dans le lointain, on est dans le souvenir, etc. Piano flûte,
C'est parti pour ce début. Insomma, cosa devo fare per provarti che non sono un assassino? Mio Dio. Oh mio Dio! Sì, Silvia, aspetta! Voilà. Juste fait quelques petites notes. Il meurt mieux que Marion Cotillard dans Batman, même s'il meurt pour de faux, effectivement. Donc, ça, c'est la partie romantique, émotionnelle de l'affaire. Mais en même temps, au même moment, on a quand même une mise en scène, clairement. Et donc là, on va sortir l'artillerie lourde de la mise en scène. Basse, piano, des coups sur chaque coup de couteau, l'orgue d'église pour le côté dramatique. On y va, on se lance, on fait la totale, pour bien montrer le côté un peu grand guignol finalement de cette meurtre. Insomma, cosa devo fare per provarti che non sono un assassino? Voilà, alors là, on est bien dans du Mickey Mousing comme il faut, vous l'aurez remarqué. C'était notre première partie. Notre deuxième partie, ben, c'est tout simplement toute la poursuite jusqu'à ce qu'elle s'enferme dans le grenier, parce que je trouve qu'il y a un changement d'ambiance en fait à ce moment-là, dans le grenier. Donc là, ben, notre jazz suspense un peu rapide, giallo, ternaire, binaire, on y va, on se lance. Donc, on commence par basse, piano, clavecin. Non, en fait, je vais vous faire écouter d'abord basse, piano et batterie. Dans un premier temps, on va voir le clavecin après. Hop. Voilà. Et autre effet de Mickey Mousing, je ne vous l'ai pas dit avant, c'est qu'au milieu de cette poursuite, qui est en deux parties, puisqu'il y a un arrêt, elle se retrouve face à Ghostface. On va évidemment faire un arrêt dans la musique et un redémarrage aussi. On va s'arrêter là. Par-dessus, puisque là on est en ternaire, on va rajouter notre clavecin en binaire, plus notre orgue qui va revenir de temps en temps. Voilà, vous avez compris le principe. Là-dessus, on va pas être léger, on va rajouter des cuivres. Et même un petit duo flûte-saxophone presque en solo pour la deuxième partie, pour faire monter un peu la tension, qui reprend un petit peu le thème de Ghostface. Je vous montre un peu avec l'image. Voilà. Voilà.
et je vous ai promis du Mickey Mousing. Là, le coup de la porte, j'ai pas pu ne pas le faire. Oui, l'arrêt reprise, effectivement, bah, on est un peu dans ce truc un peu cartoon, en fait, mais hyper dynamique. Et je l'ai accentué, la porte, le coup de la porte, je l'ai accentué aussi. J'ai pas pu m'empêcher. Et je trouve que ça fonctionne, en fait. Voilà. Là, on a juste des pêches de cuivre, en fait, des coups de cuivre secs avec une percussion en même temps. On voit ça à l'image. Voilà. Pour avoir un peu cette espèce d'hystérie en fait, hein, dans la scène, je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Et ensuite, bah, ce qui nous manque, hein, c'est tout simplement nos voix. Évidemment, les voix. Oui, c'est un peu rapide pour un jeu vidéo. Ça fait un peu scène de QTE de jeu vidéo avec les portes, effectivement. Et donc, on a notre thème chanté, plus des petits cris, des petites voix, etc., qui viennent se rajouter sur cette deuxième partie. Allons-y, là on a tout. Et c'est assez conséquent. Hein. Voilà, notre deuxième partie. La souris gagne toujours. Enfin, pour le moment, elle gagne, effectivement. Troisième partie, on est dans le grenier. Alors là, je ne sais pas trop pourquoi, pour être tout à fait franc avec vous. Si, en fait, je sais pourquoi, mais bon, déjà, elle est dans le grenier. Elle est dans un endroit un peu plus confiné. Le danger est, pour le moment, retenu à l'extérieur de la porte. Donc on a une petite baisse de tension à ce moment-là. Et pour le coup, c'est sans doute à cause de ces plans-là. Attendez, je vois pas très bien. Voilà, il y a des sortes de poupées, des jouets là. Vous voyez une poupée qu'elle bouscule, une marionnette là-bas, etc. Bon, je pense que c'est les souvenirs d'enfance, etc. Donc j'ai voulu le souligner en ressortant mon petit thème d'enfance qu'on a utilisé dans le thème de Ghostface et de calmer un peu le jeu. Donc on a une descente avant qu'elle se remette à courir dans le grenier. Pourquoi pas avoir Mickey Mouse et la planche de surf ? J'aurais pu, mais il y en avait déjà beaucoup. Je fais déjà les deux portes, j'en refais encore par la suite. C'est bien de varier les plaisirs, que tous les coups soient pas marqués non plus, ne serait-ce que pour faire le contraste avec la première partie. Donc là, on va retrouver nos petites voix, mais évidemment plus rapides, dans notre petite mélodie d'enfance, avec une cloche d'église. Voilà, on reste sur une rythmique ternaire un peu jazz, mais un peu plus calme. On calme un peu les balais derrière, etc. Donc, avec une basse. Voilà, vraiment musique de suspense, là, pour le coup. Mais on garde quand même notre orgue. Et surtout, au début, on joue les quelques notes. Au moment où elle réussit, elle se met à courir et elle réussit donc à se sauver provisoirement. Les quelques notes du thème de Sydney par-dessus les petits cœurs. Voilà. Ça
simplement ça. Ensuite, on rajoute nos éléments, les mêmes éléments qu'on avait avant. Et c'est parti pour cette deuxième partie. Vous verrez, on sort de là, on a une petite descente et on redémarre. Avant nos deux dernières parties. Hop là, c'est parti donc pour notre jazz scream. Voilà. Et là, on arrive à l'avant-dernière partie, si on veut, de la scène. S'il n'est pas sur le toit, là, c'est vraiment la confrontation, parce qu'ils vont être face à face. Faut qu'on monte la tension au maximum. On change donc, un, de tonalité. Deux, on change, on garde la voix un peu criée, comme ça, enfin, dans l'idée du cri. Mais on change de thème, un thème un peu plus nerveux. Voilà, basse, piano, énerve aussi un peu à leur tour. Voilà, là, on ressort notre petit solo à l'unisson de sax et de flûte pour rendre tout ça encore un peu plus hystérique. Voilà, et tout ça, avec la batterie et tout, vous avez compris le principe. On y va, on se fait juste cette petite avant-dernière séquence de la scène. Allez, je vous mets là pour qu'on ait quand même un peu la progression. De toute façon, on va regarder évidemment une dernière fois là, ensuite la scène en entier. Voilà. Et puis on a notre fin. Donc elle se relève et voit le cadavre de sa camarade. Donc là, on a à nouveau, une dernière fois, le petit gimmick de Ghostface. Je vous fais écouter juste ce passage-là à partir du moment où elle tombe. Donc on a cette respiration, évidemment, avant qu'elle tombe. Hein, c'est cet effet de respiration. Et puis la chute. Hop. Attends, excusez-moi. J'ai mon moniteur qui saute un peu. J'espère que ça va pour vous. Donc, fin de séquence, fenêtre, et puis la fin de séquence. Voilà. Ne surtout pas être la copine de Sydney, c'est évident, c'est jamais une bonne idée. Attendez, il faut que je règle un petit truc avant qu'on termine. Une seconde. J'arrive.
Voilà, ça a l'air de marcher. Est-ce que vous êtes toujours là? Parce que j'avais un petit souci. J'avais un petit souci. Donc, bah voilà. Hein, voilà, on va regarder... ben, n'ai plus hâte, The Buzz, c'est le moment. On va se regarder... pourquoi ne pas avoir calé le crescendo voix sur le bras qui saisit? Effectivement, parce que en fait, j'ai essayé de le faire pour être tout à fait honnête, mais ça tombait pas très bien musicalement. Voilà, c'est un peu les limites du Mickey Mousing aussi. Si on se met à composer pour coller, bah, on perd un peu en valeur musicale, hein, forcément. J'avais essayé de faire ça, effectivement. J'ai trouvé le décalage était intéressant. On va se regarder cette séquence en entier. Voilà. Et puis on en discute vite fait après. Voilà. Alors je vous envoie ça. Maintenant que tout marche bien pour moi. Hop. Je fais un petit peu de place. Ben de rien. Je suis là pour expliquer au moins ce que je fais. Voilà. On se regarde la séquence en entier. Cosa devo fare per provarti che non sono un assassino? Mio Dio. Oh mio Dio! Sì. Me ne attendo! Voilà, désolé pour le pop-up. Oui, je remettrai une dernière fois la séquence en entier sans trucs qui viennent qui viennent parasiter l'écran pour terminer. Voilà mon petit travail sur Scream. J'espère que ça vous a plu. Petite chose que je voulais vous dire. Oui, si j'avais dû faire vraiment la musique de cette scène, je pense pas que j'aurais fait une musique aussi chargée. Merci The Buzz, c'est gentil, c'est cool. Parce que le fait de ne pas avoir les bruitages, ne serait-ce que de la scène, parce que les portes, elles claquent, hein, voilà, on a quand même du bruit. Je pense que par la bande-son musicale, j'ai essayé de compenser, un peu comme si je travaillais sur un film muet. Hein, j'aimerais bien pouvoir travailler sur des extraits où il n'y a pas de musique, en fait, tout simplement, et on a quand même les bruitages, ça serait quand même peut-être plus intéressant. Les deux extraits l'un après l'autre, SVP. Bon, bah écoute, fresque complet, tu auras ce que tu veux. L'un après l'autre, je serai obligé de te mettre celui-là avant. Mais voilà, mais je peux mettre l'autre ensuite. Voilà. Oui,
Oui, oui, non, c'est pas un film hyper subtil, mais on garde quand même la violence, entre guillemets, de tous les coups, etc., dans la musique. On pourrait la voir simplement par le sound design, en fait. Ouais, oui, complètement The Buzz. Oui, c'est moins terrifiant. On est plus sur une musique de suspense, en fait, que sur une musique de film d'horreur, clairement. Après, c'est pas une séquence que je trouve hyper terrifiante en vérité. Hein. Enfin, ça, c'est les goûts et les couleurs, mais et je suis pas sûr non plus que ce que j'ai fait, qu'il suffise de coller une musique un peu comme celle que j'ai faite pour transformer Scream en Giallo. Hein. On est sur un montage, etc., hyper 90, où on n'est plus dans du Giallo. D'ailleurs, j'avais vu, vous pourrez chercher si ça vous intéresse. Quand j'avais fait des recherches pour ça, je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait un truc sur Vimeo, qui a pris la première scène de Scream, la fameuse scène où tu aimes les films d'horreur, etc. Qui l'a remonté un peu façon Giallo. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, parce que je ne connais pas assez bien Scream pour voir les différences de montage. Je sais qu'il a fait une espèce d'effet VHS et a collé dessus une musique type un peu clicheton Giallo, quelques notes de synthé, etc. Et franchement, je trouvais que ça marchait pas du tout. Voilà. Malgré le fait qu'il est remonté, et là, moi, je travaille sur le montage d'origine. J'ai pas le droit d'y toucher, hein, c'est la règle dans le club Giallo. Donc, voilà. Voilà, je vais vous remettre les séquences. Ok, bah c'est cool. Je vais vous remettre les séquences. Allez, je vais essayer de vous les remettre dans l'ordre. J'espère que ça va pas planter. Vous avez vu, j'ai quelques petits soucis, rien de grave un soir, mais ça rame un peu. Peut-être parce qu'il fait 45 degrés dans cette pièce. En fait, il n'y a pas de lumière rouge derrière, c'est juste la projection de la chaleur. Je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre quand même. On va voir si ça fait pas tout planter. Et on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à répondre au sondage, hein, pour savoir ce que vous voudriez peut-être pour le prochain live. Peut-être qu'on pourrait remettre à IMU le lien vers le sondage. J'explique pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai vu qu'il y avait quelques arrivées. Quelques nouveaux arrivés sur la fin. Je vous laisse un petit peu le choix pour la prochaine émission, de savoir ce que vous voudriez faire. Donc il y a la possibilité de refaire un autre Giallo, évidemment. Il y a la possibilité de faire un autre film italien, mais dans un autre genre que le Giallo. Donc on parlait de post-apo tout à l'heure, mais ça peut être du film de cannibale, ça peut être, je sais pas, des choses assez différentes, du poliziotesco, voilà. La possibilité, j'en parlais, mais je vous mets un peu en garde, ça peut être intéressant, ça peut être un truc marrant à faire, de partir de zéro, c'est-à-dire de composer sur une courte séquence avec le chat, en écoutant ce que vous me dites. Voilà, moi j'imagine ça, et essayer de construire une musique comme ça, vraiment là pour le coup en direct, en partant avec rien de préparé. Il peut être long, hein, il faut quand même le savoir. Et une dernière émission, une émission troll. Donc quand je dis troll, c'est tout simplement où l'idée c'est de prendre des musiques de prendre des extraits de films connus et par la musique ruiner la scène. Voilà, c'était ça l'idée. Donc vous pouvez répondre à ce petit sondage que je mettrai également sur Twitter, Insta, machin et tout ce qui s'ensuit. Oui, elle aurait pu. Si j'avais fait un thème, je réponds à Fresse Complet qui disait que Tatoum et son cadavre auraient mérité son propre thème de rappel, mais c'est juste la nostalgie du personnage. Oui, mais effectivement, peut-être que si j'avais fait la musique de tout le film, j'aurais fait aussi un thème pour Tatoum, je ne sais pas. Mais voilà. Là, j'ai fait au plus court. Voilà. On se retrouve, je pense, j'espère avoir le temps le mois prochain pour refaire un live. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresserait. Si vous connaissez des gens que ça intéresse, invitez-les. Viendez les amis au club Giallo. Ça, plus on est de fous, tout ça. Voilà.
Je crois que j'ai tout dit. Merci les amis, et je crois que j'ai rien oublié. Merci beaucoup à IAMU, et merci à tous ceux qui sont venus ce soir au lieu de regarder le football. Et on se retrouve bientôt. Je vous remets la première scène, et je vais essayer de vous l'enchaîner avec la seconde. À bientôt. Merci, bonne nuit. Salut les amis. Thank you.
cosa devo fare per provarti che non sono un assassino. Mio Dio. Oh mio Dio! Sì. Sì, li ho sento!